Présentation. Voilà, bonjour, c'est Géraldine Asselin et retrouvez-moi sur AfroStyle. Bon, donc déjà, je m'appelle Géraldine Asselin. Je suis martiniquaise. Alors, j'ai peut-être pas l'air vraiment, mais j'ai vécu là-bas, ma famille est là-bas, donc je suis vraiment, je suis pas juste d'origine martiniquaise, je suis vraiment martiniquaise. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 16 ans, et ensuite je suis venue ici faire des études. Et je faisais à l'époque de l'escrime. Je suis venue faire un sport études escrime, en fait, à la base. Puis après, bon, la vie a fait que j'ai arrêté, et j'ai travaillé, j'ai fait mes études, j'ai travaillé. Et puis j'ai commencé le théâtre. Personne ne fait du théâtre dans ma famille, c'est tous des professeurs en général. On est dans l'éducation nationale. Non, j'avais très envie, j'ai toujours fait de la danse hein, depuis que je suis petite. J'ai toujours aimé ça, le côté artistique. Et puis j'ai décidé d'en faire pour moi parce que j'avais envie et ça m'a tout de suite, je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait en fait. C'est ça que j'avais envie de faire parce que je bossais dans la finance et le marketing hein, à la base. Et donc voilà, j'ai tout arrêté comme ça et j'ai décidé de me lancer là-dedans. Le théâtre, la scène, c'est vrai que c'est ma passion première, j'adore ça et j'aurais du mal à m'en passer, c'est vrai. Et maintenant, le doublage, pareil, ça a pris exactement la même place que le théâtre. C'est-à-dire que c'est les deux piliers pour moi. Et je m'amuse tellement en doublage que, pareil, si je devais arrêter le doublage, si je ne devais plus en faire, je serais très, très triste. Vraiment. Donc, je fais du doublage, des documentaires, des voix de pub, des choses comme ça. Mais le doublage, c'est vrai que je m'amuse vraiment beaucoup. Je m'amuse vraiment beaucoup en doublage. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Darius. Tu as pris un coup de vieux. 9 ans de malbouffe, c'est fatal. 9 ans? Bon, arrête-moi si je me trompe, mais on serait pas encore loin des 20 ans. Alors, j'ai commencé le doublage quand j'étais enceinte, la première fois. Et en fait, ça m'interpellait. Je me disais, tiens, pourquoi pas. J'étais allée sur un plateau de doublage avec un ami, ça m'avait plu, je me suis dit, tiens, ça me plairait bien. Et puis quand j'ai été enceinte, évidemment les comédiennes quand on est enceinte, pour travailler c'est un peu plus difficile en théâtre en tout cas, ou en danse. À partir du troisième mois ça commence à devenir très compliqué. Donc je me suis dit tiens je vais en profiter pour aller faire un stage de doublage. Donc j'ai fait un stage et ça m'a vraiment plu. Et puis après j'ai commencé à démarcher et puis ça a marché assez vite. Mon mari qui travaillait aussi un petit peu dans le doublage m'a fait rencontrer des gens, moi j'ai démarché de mon côté et puis ça s'est enclenché comme ça naturellement et puis je suis venue à en faire pas mal quoi. Y a Alberi, il y a Nia Long, y a Tony Cypress, Zoé Saldana, Patamala Jones, Sana Alatan aussi. Sinon en comédienne qui n'est pas afro-antillaise, américaine, c'est Michelle Rodriguez, mais qui enfin, qui est quand même métisse mexicaine. On reste quand même dans le métissage. Mais voilà, ça vraiment, c'est une vraie rencontre, le doublage. C'est une vraie rencontre parce que déjà, on a des rôles... Bon, j'ai eu la chance assez vite de faire des rôles intéressants, de faire bon, pas mal de petits rôles aussi, puis de faire assez vite des rôles intéressants. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on nous donnera... Enfin, en tout cas... Ici, on ne me donnera pas à jouer, c'est vrai, je le sais. Donc, c'est un vrai... même si ce n'est pas une création totale, parce qu'on doit être complètement proche de la comédienne qui interprète, mais on a quand même à produire exactement les mêmes intentions, à jouer, à voilà, ça se fabrique comme ça, exactement dans le doublage. C'est pas juste... Parce que beaucoup de gens disent « Oh, le doublage », mais c'est un vrai travail de comédien, le doublage. C'est une autre partie du travail de comédien, mais moi, je crois que c'est vraiment... Voilà, il faut de la spontanéité, il faut quelque chose d'immédiat. Bon, évidemment, on a l'original, mais voilà, il faut retrouver ça, il faut coller. C'est une vraie technique à part, mais... Donc voilà, ça a marché assez vite. Et puis depuis, j'y suis restée. Qui lui a dit que c'était moi, David Chay? J'ai toujours pensé que c'était toi. Vous devez avoir raison. Moi, j'adore le cinéma afro-américain. J'adore ces comédiens. Je trouve qu'ils sont... Quand on les regarde, on se dit « Waouh !»
Enfin, c'est une vraie leçon, pour nous les comédiens. Comme moi, quand je les vois, quand je vois Alberi, quand je vois toutes les comédiennes que je double, tous les comédiens Denzel Washington, Forest Whitaker, Danny Glover, ils sont tous mais formidables, formidables. Et ils ont vraiment, ils ont su imposer leur cinéma, leur, ils ont su s'imposer là-bas. C'est pas encore tout à fait le cas en France, mais là-bas, c'est bien, quoi. C'est vraiment...